Y'a Benzine qui est excité dans le chat. Où ça stream? Le câble, viens par là toi, hop, là-bas. Ah, on a un peu trop le micro. Bien par ici le micro. Pas trop loin, s'il te plaît. Ça fait du bruit, je sais. Hop, ça devrait être bon là. C'est bon, on m'entend bien? Ouais, Ouais. pour Mumble. Ouais, bah surtout Mumble, moi, ça réagit direct quoi. Bon. Parti pour la découverte de ce jeu merveilleux. Ah, d'accord, déjà ça Car commence c'est bien. un jeu merveilleux. Bah, Excalibur, oui, 2555, c'est forcément un jeu merveilleux. Sélectionne. Ou la petite bande noire au-dessus. Que tu fasses le jeu en touch. Ok, même pas. Ah, les fameux mecs de Tempest. Ah, je sais pas si on entend bien la musique techno là du début là. Attends, le jeu de base il est pas fort. Là, c'est parfait. J'ai augmenté le son, c'est bon, là, ça devrait aller. Non, ils ont piqué Excalibur. Les salauds. Telle. La rigidité du Mais où cadavre sont les d'Arthur, bizarres quoi. ninjas? Ah, la drogue. Tu vois, c'est bizarre, il y a une bande noire au-dessus là de du jeu. Je sais pas ce que c'est. Salut Ika. Bon, apparemment, il doit y avoir une flèche ou quoi qui indique où je suis censé sélectionner. Parce que là, je vois pas. Je suis dans les options, ok. Exécuter, dialoguer, utiliser. Ouais. Autour triangle. Comment ça? Non, c'est pas le mot de passe que je veux. Non! Ouais, incorrect. Putain, mais rien que sur l'écran d'accueil, elle a une gueule de merde. Bah là, ouais, ça se voit bien. C'est bon, j'ai trouvé le bouton commencer. Ok. Les bas-fonds. Ah, j'ai la version qui se chie dans le froc. J'aurais dû télécharger la version anglaise en fait. Tant pis. Bah oui, Ika, ton beau logo, il va être partout pendant tout le temps sur le stream quoi. Tous les streams. Ah, c'est bien, il n'y a pas de musique en plus. Ok. Là, il y a le monsieur qui me fait You shall not pass. Le robot. Le robot n'a aucun pouvoir. Le robot n'a aucun pouvoir. Très bien. C'est pas par là. Ah, on peut courir. Ok. Ah non, Kaika, ne parle pas de problème de son avec Twitch, quoi. S'il te plaît. Monstrador, j'ai été blessé lors d'une attaque contre les paysans Hort et mes troupes m'ont laissé pour mort. Nous voulions délivrer l'un de nos officiers que les Hort avaient capturé pendant notre dernière attaque. Il faut me soigner vite. Cherche mon sac à dos, il y a une trousse de secours dedans. Aide-moi s'il te plaît. Putain, effectivement, le jeu d'acteur du monsieur là, il est fort, hein. Aide-moi, s'il te plaît. Je risque de mourir.
se mettre à couper. Ah oui. T'as un réflexe. R2, tac, c'est là. Parfait. Y'a rien loot ? Non, y'a rien loot. Qu'est-ce que c'est ça ? Une tente, ok. Ah, la flamme verte. Bon, par contre, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup fait la démo, donc je connais déjà le début du jeu. Une clé ! En fer. Cuisse de poulet. Et toi, par ici. Et toi, par ici. Salut. Et toi, t'as de quoi marchander? J'ai un tas de trucs à offrir. Des sortilèges, des clés, à manger. Mais tout a un prix. T'auras rien pour rien, tu sais. J'aurais bien un faible pour une goutte de gnôle. Mais ça m'étonnerait que t'en aies. Qu'est-ce que t'as? Eh ben, pardi, qu'est-ce que t'as? Non, pas ça. T'as rien d'autre? Oh, t'es pas content avec le verre? Non, le verre, c'est le barman qui fout la porte. Ouais, je sais. Ça, c'est la caméra. Ah, j'ai mal. Allez, chute lumière, j'ai oublié. Voilà, parfait. Ah bah, il avait pas menti au niveau des voix. T'as de quoi marchander. La porte est fermée. Google Cam. Oui. Tiens la porte, prends cette clé. Ouais. Et où le marchand? Je suis déjà en train de me perdre quoi. Ah merde, du coup la clé c'est... Ouais. C'est pas mis comme il faut, il ramasse pas la cuisse de poulet. Ah, a trouvé le barman. Si c'est à boire que tu cherches, tu es plutôt mal tombé. Ça fait des mois que je ne peux plus servir à boire. J'ai une belle réserve d'alcool, mais pas de verre pour le servir. On me les a tous volés. Oups. Oui, parle toujours, je te... Voilà. Tiens. Remplis ce verre. Les affaires reprennent. Mais je ne peux pas te servir au bar. Tiens, tu peux avoir une bouteille d'alcool pour ton père ou qui tu voudras. Mais chut. Mais chut. Ouais, un verre, les affaires reprennent. La Google Cam. Ouais. Du coup, j'ai... Ouais. Monsieur. Voilà. Morceau de viande. Parfait. Un verre. Les affaires reprennent. Il faut retourner voir l'autre Gugus là, qui veut son verre d'alcool. Bah, nous, comme on est gentil, on lui offre la bouteille. J'ai l'impression de tourner en rond là. Oui, parfait. Je suis revenu au bar. C'est pas par là. Je vois bien le défi du jeu, faire tout le jeu en Google Cam. Comme ça? Attends. Wow, effectivement quoi. Le barman, il... enfin le caméraman, il est un peu lol quoi. Ouais. Une pomme. J'ai trouvé une pomme.
la souris aussi, il faut... Wow! Alors, est-ce que c'est lui le fameux mec qui était immortel normalement? Je crois. En tout cas, avec sa coupe iroquoise et sa massue là. Ah, mais il a une machine gun en fait. Ok, bon, mais moi je me casse. Salut. Effectivement, sur la porte, il y a une tête. Ouais. Ah la vache. Il a fait un peu mal lui. Alors, du coup, sur la map où je suis. Ouais. T'as l'air d'être là. Ok, donc le bouton. Du coup, non, ça drop pas des frames, c'est cool. Coup sociaux, ça reste fluide de ton côté ou. Mais ça semble fluide. En même temps, comme j'ai un décalage énorme avec ce que tu racontes. Oui, non, ça c'est normal, ça. C'est Twitch qui est comme ça. Mais tant que ça reste fluide, quand tu regardes, ça va. Du coup, est-ce que c'est là? Mais non, je suis encore revenu au bar. Faut que je regarde la map, parce que sinon... on peut être n'importe où. Du coup, le... Ah, il est tout droit. Ouais. Tiens. Tu voulais picoler? Voilà. Y a pas grand chose là-dedans. Tiens, prends cette clé. Ah bon, y a pas grand chose là? Je t'ai ramené une bouteille quoi, le mec il me dit mais y a pas grand chose. Alors, du coup, la porte qui était fermée. Ok. Je vois où est-ce qu'elle était. À gauche. Ouvre-toi. Oui. Il y a un clochard là, qu'est-ce qu'il fait? Bah les pattes. What the fuck? Je ne sais pas ce que tu veux, mais c'est non. À moins que tu ne retrouves Séraphin, mon rat de compagnie. Bah les pattes. Je ne sais pas ce que tu veux, mais c'est non. À moins que tu ne retrouves Séraphin. Mon rat de compagnie. Mon rat de compagnie. Séraphin. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ça. Ce jeu d'acteur. Alors du coup... Le rat il était... Et en quel endroit? Il était juste avant le boss imbattable là. Donc il est là-haut. Je crois qu'il fallait un morceau de fromage pour la tirer. Il y avait une souricière à un endroit. T'es sûr? Je crois que c'était le morceau de viande plutôt. Je vais vérifier. Ouais, non, si, ça va être le morceau de viande en fait. Attention. Ouais, si, c'est ça, c'était le morceau de viande. Voilà, faut attirer un rat avec un morceau de viande. Un rat nommé Cécile. Mais non, c'est Séraphin normalement. Fallait trouver Séraphin et on a Cécile comme rat. Pourquoi? Quelle est cette blague? Il a changé de sexe entre temps. Ça doit être ça. T'es là le clochard là? Ouais, il est là. Tiens, est-ce que c'est ton rat? Séraphin, tu l'as trouvé. Oui. Prends ce que tu voudras. Je crois que ce sac à dos te plaisait bien. Il n'y avait que cette trousse de secours dedans. Prends-la, elle est à toi. Bon bah il a accepté Cécile en tant que Séraphin. Très bien. Mon rat, tu l'as retrouvé.
Quand on dit que c'était un peu nawak, ce jeu au niveau de la logique, quoi. Tirer un rat avec un morceau de viande. Tu t'attends à trouver peut-être un morceau de fromage, un truc comme ça. Non, c'est un morceau de viande. Bon, l'autre est en train d'agoniser, là, il est où avec sa trousse de soin? Trousse de soin carré. Il était temps. J'étais sur le point de lâcher. On m'a donné la batterie. Tu m'as sauvé la vie. Je te dois un fier service. J'ai pris cette cellule de puissance sur le robot qui se trouve près de la sortie. C'est l'une de nos unités de garde. Ça t'aidera. Très bien. Ah, bah Link s'est déconnecté. Très bien. Oula, non, je suis un peu loin là. Normal, le robot il était à l'arrière. Tiens le robot, prends la batterie. La cellule de puissance. Il ouvre la porte. Ouais. On a fini le premier niveau. J'en pleure. Ouais, niveau terminé. Ah putain. C'est beau. Je serais me niquer les yeux. Mot de passe. Triangle, carré, croix, rond, triangle. Ok. Ça va, 15 minutes pour faire le premier niveau. La crypte de la mort. Ah, c'est pas là qu'il y a Frankenstein? Je pense. Quand t'as un chargement, ils sont un peu longs là, bizarrement. Ah, ça y est. D'accord, j'ai ouvert une porte et je pop sur un carré. Ok. T'as encore un mec qui est blessé, quoi? À l'aide! J'ai été piqué par un scorpion. La vieille sorcière est la seule à savoir préparer l'antidote. Mais fais vite, je ne tiendrai plus très longtemps. Oh! Et prends garde aux piqueurs des scorpions, toi aussi. Il y en a partout. Putain, qu'est-ce que tu fous là en tennis aussi avec des scorpions partout, quoi. C'est ça. Une bûche. J'ai trouvé une bûche. Le scorpion. Le scorpion. Le scorpion. Merde, il m'attaque pas? Qu'est-ce qu'il fait? Et il fait le même bruit que tous les ennemis en fait, le scorpion quand il tape. Aïe. Aïe. Il meurt. Ah, il était beau ce cri. Non, il est pas moche le jeu. Il a une certaine patte artistique qu'il essaie de défendre, contrairement à la majorité des jeux actuels. Wow, encore un scorpion là, ça suffit maintenant. On a eu le cri, maintenant ça suffit quoi. On a eu ce qu'on voulait, maintenant on repart. T'as eu peur à benzine, Vida. Encore une bûche. Mais elle va les manger maintenant, les bûches, pour se nourrir. Putain, encore un scorpion. Ok, il m'a pas vu, il m'a pas capté celui-là. Y'a rien d'autre ici? D'accord. Il y avait une bûche et c'est tout. Nope. Très bien, il y a des trucs qui passent à travers les murs. Encore un scorpion, mais casse-toi. Bon, allez, on va encore le buter.
Il buguait? What? Ok, il est bugué, il bouge plus. Enfin, il essaie d'aller vers moi, mais il n'y arrive pas. Ça va, pas trop deck sinon? La vie, tout ça. Non, ça va le scorpion? Non, t'as pas envie de discuter, t'as envie de m'attaquer, c'est ça? Ah, c'est bête. Aïe. Encore? Mais je le bloque avec mon genou ou quoi? Elle est efficace cette technique pour se battre contre les ennemis. Il dure 3 points en plus le cri à chaque fois. Il y a que ça quoi. On va arrêter de tous les battre parce que sinon on va avoir plein les oreilles après du cri. Très bien. Mais tu vas les manger les bûches, c'est pas possible. Non, tu veux pas les manger les bûches. C'est. Ah, la sorcière là-bas, d'accord. Elle va pas s'arrêter, t'es sérieux? Non, c'est vrai, elle s'est arrêtée parce que je suis à côté d'elle. J'ai besoin de bûches pour entretenir le feu sous mon chaudron. C'est ce que je pensais. Tiens, une bûche. Ce bois est humide. Le feu ne prend pas. Et voilà. Tiens, celle-là, elle est bien. Ce bois est humide. Le feu ne prend pas. C'est sérieux, ils nous font chercher 50 bûches en fait pour qu'il y en ait qu'une qui soit bonne. Ce n'est pas suffisant. Il m'en faut encore. Vite. Oh, mais tu vas te calmer, oui. Oh, vite. Va me chercher des bûches. Je suis trop vieux pour aller me chercher. Oh putain, elle va se mettre à rire. Ça va se mettre à rire à chaque fois que t'es dans le niveau où elle est. Cette porte est fermée. Oh, c'est ça, tous les ennemis ont les mêmes bruits de, quand ils prennent des dégâts. Bon, désolé, mais... Ce n'est pas suffisant. Ah putain. Ce bois est humide, ce n'est pas suffisant. Et celui-là, elle est bien. Tiens. Ça suffit. Je vais pouvoir préparer la potion. Pouvoir préparer la potion. Mais pourquoi elle bouge plus? Pourquoi son bras n'est pas sur son corps? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Ah bon, ça y est, d'accord. Tiens, c'est pour toi. Merci. Madame. Ah, lui, il était pas mort. Bon, alors, entre le mec qui est en train d'agoniser avec du poison de scorpion dans son corps. Il me faut cet antidote. Vite. Tiens. Merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Ouais. Si tu veux aller à Fabia, il te faudra passer par les cryptes. Je connais le croque-mort qui y travaille. Ouais. Il n'est pas très gai, mais on peut lui faire confiance. Ce qui est bien rare par ici. Tiens, prends ce porte-bonheur. Je suis sûr qu'il te sera utile. Ouais, le porte-bonheur me serait utile face au croque-mort. Ça va être génial. En plus, j'ai perdu mes items de soins, du coup, entre les deux niveaux. C'est un peu rigolo, quoi. Arrête de se défendre, il meurt. Voilà.
Désolé. Ouais, mais on peut pas bouger la carte. Ah, voilà. D'accord. Appuie sur carré. C'est au niveau de la sorcière, je suis pas allé encore explorer deux portes. Donc c'est pas la porte à laquelle je fais face, mais une autre. Ok. C'est là. Excusez ce pauvre jeu, quoi. Il n'a que ça pour lui. Non, très bien. Donc il faut aller alors. Non, bah on va essayer le porte-bonheur sur la porte. Hein. Je crois que c'est ça en plus. Ouais, le porte-bonheur c'était la clé. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Bonjour monsieur le croque-mort, c'est vous? Oh, c'est épouvantable. On a volé mon maillet. Je ne pourrai jamais finir ce cercueil. T'es costaud. Oh, on m'a volé mon maillet. Je ne vais pas pouvoir finir le cercueil. Oh, peu cher. Ah putain. Ouais. Une pomme qu'on va manger de suite. Voilà. Moi, je suis mécontent de l'avoir mis en français finalement. On a les fringues dégueulasses, mais. Ah oui, j'ai oublié ça aussi. Aïe. Irrealized John Doe. Non, pourquoi le soldier il est mort? Pourquoi le soldier de TF2 est mort? Pourquoi? Ah, il y en a plusieurs en plus. Voilà, ici c'est la cave de tous les persos de TF2. Passage secret, waouh. Passage secret avec rien à l'intérieur, waouh. Ah oui, je veux pas mettre autre chose. Ah, mais c'est défendu au salon. Les cris d'agonie qui ont percé votre nuit, quoi. C'est bon, vous allez plus dormir maintenant que vous avez entendu ces cris, quoi, de la famille. T'aimes bien encore. Aïe, mais d'où tu me touches? C'est toi qui as volé le maillet au... Ok, y'a rien. Tout ça pour ça, quoi. Et les zombies? Voilà, one shot aux zombies. C'est comme ça qu'on joue. Ok, il arrive à arrêter une épée. Voilà. Il tombe au ralenti et tout, quoi. Slow-mo. Très bien. Pareil, mais ça sert à quoi de péter ces trucs s'il n'y a rien dedans, quoi. S'il vous plaît.
fuck. What the fuck, y'a beaucoup de zombies là. Ce niveau de l'infamie. Wow. Devient un peu foufou ce niveau là. Aïe, mais d'où tu me touches? Je m'enfuis moi. Aouh. Mais... Putain. Bon, on va faire une petite save state parce que je sais pas comment marche le système de sauvegarde ici, alors on sait jamais. Ah, une cuisse de poulet derrière un mur. Ça doit être bon ça. Ouais. Comme une merde. Rien. Oh putain. Un squelette, très bien. J'ai voulu faire un demi-tour, mais on n'est pas dans Resident Evil. Ok, les portes sont fermées ici. Celle-là aussi, très bien. Alors que c'était pas ça qui est marqué sur la carte. Oh putain. Vous ne mourrez pas. Qui c'est ça? The fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Qu'est-ce c'est? Qui c'est lui? C'est la mort! C'est la mort! C'est la faucheuse! Quel cri il va faire quand il y a moi? Aïe. Ou moi, je sais pas. Mais tu vas mourir? Ça se trouve, lui aussi, c'est un ennemi invincible. Faut juste prendre les clés et se barrer là qu'il y a par terre. Putain. Je crois que c'est un ennemi invincible. C'est la faucheuse en même temps. C'est normal. Pousser dans les boules de feu là-bas. Avance. Ah si, il est mort. Très bien. Les clés de laboratoire. Très bien. C'était un concentré d'épicness ce combat. J'ai hâte d'en refaire un. Oups. Oups. D'où je t'ai pas touché? D'où tu te défends? D'où tu te défends? Mais arrête de te défendre, bordel. Voilà. Vite. Non, c'est pas cette clé. Ah, ça c'est intéressant par contre. What the f... Non, non. The fuck is that? Non, c'est pas cette porte. Faites ça là. Oui.
gros maillet. Et on voit nos deux gugus là qui s'amusent. Avec Frankenstein là. Hein. Bon bah. Oh parti. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, monsieur. Oh, le freeze. Ouais, j'ai perdu que 51 frames là depuis le début. Ouais, donc il était où maintenant le Gus là? Il était là-haut. Ok, ça devrait le faire. Presque plus de vie, mais ça devrait le faire. C'est ici. Non, c'était pas là. Je suis trompé? Ah oui, merde, je me suis trompé. Putain, mais cette carte. Cette carte, les amis. Tu sais pas où t'es. Wow, j'ai fait un truc un peu fou là. Ok, ouais, c'est là. C'est là. Alors, monsieur, je vais te donner ton gros maillet. Tu vas pouvoir finir ton cercueil. Merci, petite. Je vais pouvoir finir mon cercueil. Si tu veux sortir d'ici, tu ferais bien de chercher la crête de l'aigle. C'est la tombe de Stoheim. Bien. La sortie est à l'autre bout de la crypte. Mais j'ai dû la verrouiller pour empêcher ces zombies de rentrer. Je vais te l'ouvrir. Mais seulement pour quelques minutes. Alors tu as intérêt à faire vite. Oh, et méfie-toi de ce savant fou et de ces imbéciles d'apprentis. Et si tu parles aussi vite, le temps que tu ouvres la porte, j'aurais... Voilà, hein. Mais il y a quelqu'un dedans. Ah oui, il y a quelqu'un dedans. Oh, cette tête, quoi. Cette tête et cette dent qui lui reste, quoi, au cadavre. What the fuck. Parfait. Du coup, il m'a ouvert la porte, mais où? Ah, il a dû mourir à la porte du... du savant fou, du coup. Un petit safe sieste ici. C'est jamais. Oh, putain. Ouais, effectivement, il fallait que ça arrive. Ah, du coup, c'est ici qui m'a ouvert. Ah bah, voilà l'aigle. C'est fait. Tiens. C'est ça que ça marche. En fait. Alors, est-ce que c'est cette porte? Une cuisse de poulet. Nom. Alors. Le Gugus là. Ah et du coup maintenant ouais, je vais être obligé de passer devant le savant fou quoi. Parce que j'ai juste désactivé le l'arc électrique qu'il y avait à l'entrée. Attaquer le savant fou. Je peux juste attaquer le Frankenstein? Ou est-ce que j'ai besoin de le battre? Apparemment, il doit avoir la clé, ce Gugus là. Est-ce qu'il est bloqué par son papa? Oui. Je suis bloqué. Il est bugué. J'ai mal. Sauvez-moi. Ouais. Et il s'est réveillé. Il a quand même une couche. C'est important de le noter. Oh.
c'est chaud quand même de placer l'attaque chargée complète. S'il a le temps de se défendre, ce Gugus. Bon, tu es moi maintenant. C'est moi qui te tape, c'est pas toi. Allez. Allez. Aïe. Non. Non. Ah, t'as mal par contre. Hein. Ouais, il est comme ça. Hein. Comme ça que ça marche. Ah. Eh, mais oh, t'es touché là. Non, toujours. Putain, quel combat passionnant. Ouais. Ah bah voilà. Épargne-moi. De grâce. J'ai des renseignements qui peuvent t'aider. C'est quoi cette voix? Selon la rumeur, les Fabians ont placé des espions dans tous les secteurs élysiens. Selon la rumeur, les Fabians ont placé des espions dans tous les secteurs élysiens. Ouais. Selon les rumeurs. Ah, niveau terminé. Tout va bien. Mot de passe. Zéro carré, croix, rond, triangle. Continuons. J'ai 14 ans, j'ai les cheveux blancs. Tout va bien. Toujours les temps de chargement qui mènent un peu de temps là. Sociopathe, es-tu encore parmi nous? Ouais. Ah, ouais. Tu réponds.